Notre chanson, c'est comme un petit film, c'est comme une petite histoire. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'on arrive à l'école un matin et tout a disparu. Donc, il faut qu'on y croie à notre histoire. Donc il faut qu'on mette les choses dans le bon ordre. Le porte-manteau, c'est très bien pour démarrer. Alors justement, pour essayer de travailler leur imagination, pour qu'ils aient un produit à la fin qui leur ressemble, qu'ils ont créé eux. Puis aussi, il y a la dimension collective de créer tous ensemble, parce que souvent dans leur cahier, on leur demande de faire un travail individuel, de montrer ce qu'ils savent eux. Ben là, on est aussi capable de faire des choses bien à plusieurs. Voleur de stylo, voleur de mots, voleur de lettres, voleur d'ardoises, voleur de chaises. Ben, c'est génial, hein. Super, vous avez bien travaillé, hein. Ah ouais, ah j'adore. Est-ce que vous avez compris les rimes? Oui. Si je vous dis, je vais vous dire un mot. Je vais vous dire le mot mot. Qu'est-ce qui rime avec mot? Un mot. L'eau, par exemple, l'eau qu'on boit. Oui. Moto. Ok. Qu'est-ce qui rime avec la mare? Alors ça, c'est une assonance, c'est-à-dire que ça démarre pareil, il y a le même son dedans, d'accord? C'est pas ça une rime. Ça permet d'avoir du plaisir avec la langue française, de s'attarder un petit peu sur les mots, de voir que les mots, c'est pas seulement des sujets, des verbes, mais que ça a aussi un son, et qu'on peut jouer avec les mots, qu'on peut s'amuser à faire des jeux de mots, qu'on peut faire des associations qui sont rigolotes, et que la langue, c'est surtout un plaisir. Quand on aime jouer avec, ça apporte du plaisir. Donc là, j'ai un dictionnaire de synonymes. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est, les synonymes? Non. Les synonymes, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. Donc là, on cherche des mots qui veulent dire la même chose que... Voleur. Ok, alors je vais chercher un voleur, et vous allez me dire si c'est des mots que vous connaissez. Ensuite, nous avons cambrioleur. Oui. C'est bien, ça, cambrioleur. Voilà, c'est celui-là. J'avais imaginé qu'il y avait une phrase qui allait revenir au début de chaque couplet. Je vous explique un petit peu. Quelque chose qui ferait, par exemple, quand j'ai voulu m'asseoir sur la chaise, elle avait disparu, filé à la mienne. Quand j'ai voulu accrocher mon manteau, il n'y avait plus de porte-manteau. J'allais avoir trop chaud. Quand j'ai voulu écrire sur le tableau, il avait disparu, j'étais le bec dans l'eau. Quand j'ai voulu... C'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de faire une chanson tellement belle qu'elle va nous survivre en 300 ans, on la chantera encore. Ça va être chouette, non ?